présent. Bien, donc euh, bonsoir à tous. Nous sommes le lundi euh, 4, 14 décembre. Il est, euh, est 20h et nous allons donc commencer le conseil euh, municipal, le dernier de cette année un peu particulière, année euh, Covid, année d'élection et année Covid. Donc comme traditionnellement, nous avons euh, la demi euh, de, de questions du public à ces élus. Euh, que nous ne pouvons pas réaliser dans la forme habituelle. Euh, ce moment, du fait du contexte sanitaire et donc de cette, ce virus du coronavirus, nous avons eu trois personnes qui nous ont posé, qui nous ont envoyé un mail pour nous poser donc trois questions que je vais donc lire et auxquelles nous allons apporter des réponses. Alors, nous avons tout d'abord M. Germain batté qui nous pose la question suivante. Je serais vivement intéressé que soit soulevé le problème de l'emplacement du futur collège de Fleury-Mérogis. À mon sens, l'emplacement des actuels jardins familiaux est un mauvais choix, trop près des habitations alors que le terrain des 7 hectares est tout indiqué et qu'il était prévu pour ce projet. Faire valoir l'argument qu'il y a une procédure de justice en cours ne me semble pas être une raison valable et définitive. D'autant plus que le projet de construction est prévu dans 5 ans. D'ici là, la ville pourrait donner pour l'euro symbolique au département ce terrain, donc celui du 7 hectares, qui serait mieux situé pour un futur collège. Comme le dit un récent article du Parisien, une procédure est en cours pour les mêmes préjudices subis pour les villes de Vaujour et Villeparisis. Je souhaiterais savoir si la mairie ou le maire compte bien faire avancer rapidement le suivi du dépôt de plainte qu'il a déposé afin de trouver une solution pour que les 7 hectares soient disponibles pour le collège, vous remerciant cordialement. Bon, deux, trois réponses d'abord, euh, du coup, sur votre mail, M. Batté, et puis pour que les personnes qui regardent actuellement la, la séance aient les éléments. D'abord, euh, nous sommes tous d'accord dans cette ville pour dire une chose, c'est que le terrain des 7 hectares qui est prévu depuis 50 ans pour ça était l'endroit... Le, L'espace le mieux placé pour accueillir un collège. Euh, malheureusement, cet espace, nous n'en disposons plus, pas avant tout parce qu'il fait l'objet d'une affaire en justice, mais avant tout parce qu'il est pollué et fait l'objet d'une décharge. Euh, c'est avant tout ça le problème. Nous avons d'ailleurs proposé ce terrain au département, qui ne l'a pas retenu pour ces deux arguments, dont le premier est que c'est une décharge. Et le second, effectivement, c'est qu'il fait l'objet d'une affaire en justice. Alors, euh, donc, euh, vous dites que euh, la procédure de justice n'est effectivement pas une raison définitive, c'est une raison valable, et surtout, la principale raison reste le fait que ce soit un terrain euh, qui, bah, qui soit l'objet d'une déchetterie aujourd'hui, on n'y construirait pas sa maison et on n'y planterait, planterait pas des poireaux. Je vois donc. Euh, je, je comprends le choix du département de réfléchir à ne pas y installer euh, des enfants. Alors, vous dites ensuite que le projet de construction est prévu dans 5 ans, effectivement. 5 ans achevé. Pas le début. Euh, le, le début du projet n'est pas prévu dans 5 ans. Le projet a déjà commencé. Pour instruire euh, un projet d'une telle envergure, ça ne se fait évidemment pas en, en 6 mois. Ça se fait en justement entre le moment où on commence la procédure et le moment où on la termine ça se fait entre 4 à 5 ans grosso modo il faut compter deux années d'études où le site et la disponibilité du site est nécessaire et deux années de chantier si on compte pour une ouverture pour la rentrée de septembre 2025 deux ans et deux ans ça fait quatre ans si je compte bien ça fait qu'il faudrait mettre le terrain à disposition dès l'année prochaine on a obtenu, après, euh, euh, après négociation avec les départements, une année euh, de pratique supplémentaire pour les jardiniers sur le site actuel, en, en arrivant à obtenir de leur part un certain nombre de travail en temps masqué euh, et qui n'ampute pas la rentrée euh, 2025. Euh, pour autant, euh, le, le terrain euh, doit être euh, évidemment. Euh, Disponible pour le département dans des délais relativement courts, et on est très heureux d'avoir pu obtenir ce délai d'un an. C'est l'engagement qu'on avait pris le 7 novembre dernier quand on avait rencontré les jardiniers, de, de continuer d'échanger, de discuter et de construire avec eux. Ce que nous avons fait d'ailleurs encore samedi dernier, où nous avons rencontré euh, plus de 17 euh, membres de l'association euh, des jardins familiaux. L'état d'esprit a été extrêmement, euh, extrêmement d'abord cordial, constructif. Et tourné vers l'avenir, où l'enjeu n'est pas de dire euh, on veut le collège mais pas ici, donc un jour quelque part et, et on ne sait pas dans quel délai ni où. Mais le, le, le travail qui a été entamé avec ces personnes, ça a été bien de dire il, il, nous avons une opportunité unique de, 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 de construction d'un collège sur notre ville, alors qu'on l'a pas depuis 50 ans et pourtant on a disposé du 7 hectares pendant 50 ans. Aujourd'hui on, on a la possibilité d'obtenir ce collège et il est, il est évidemment nécessaire de de saisir cette opportunité que nous nous sommes créés, qui n'est pas venue toute seule, euh, et de travailler à, à reconstituer les jardins familiaux sur un autre site. Donc nous, nous manipulons le et et pas le ou. Pour nous, c'est un collège maintenant à Fleury-Mérogis -et, et la reconstitution des jardins familiaux, euh, et ça nécessitera une bataille dont j'espère euh, tout le monde sera euh, partie prenante. J'ajoute que. Aujourd'hui, le département prévoit huit collèges sur l'Essonne. Ça fait une enveloppe de plus de 200 millions d'euros. Évidemment, tout le monde comprendra bien qu'il ne... Tout le monde comprendra bien qu'il mettra pas 200 millions d'euros tous les 5 ans sur la table et que la prochaine fournée arrivera dans des délais que nous ne connaissons pas. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, que sais-je. En tout cas, ça ne viendra pas tout de suite. Autre phénomène quand même d'importance, c'est que si on ne saisit pas cette opportunité du collège aujourd'hui, on sait Précisément ce qui va se passer dans 10 ans. C'est-à-dire que déjà, les enfants de Fleury-Mérogis sont avant et uniquement, euh, uniquement au collège Paul-Éluard à Sainte-Geneviève-des-Bois. Aujourd'hui, la carte scolaire a été revue et une partie va à Sainte-Geneviève-des-Bois à paul une autre partie au collège de Bondoufle, charles péguy Et on sait pertinemment que d'ici 5 à 10 ans, le même, sans collège à Fleury-Mérogis, c'est le même phénomène qui se reproduira. C'est-à-dire que nous aurons une partie des enfants furets qui serviront... Enfin, les enfants furets serviront de variable d'ajustement pour les autres collèges, où les effectifs vont monter partout. C'est ce qui se passe dans toutes les zones actuellement. Et donc, on aura une partie des enfants furets qui ont à Sainte-Geneviève-des-Bois, une autre partie à Bondouf, et puis après, dans toutes les villes alentours. Euh, une partie à Grigny, une partie à Vire et châtillon et puis une partie à Je ne sais où. Et donc... Euh, c'est ça qui attend euh, les enfants fleurex si on ne saisit pas cette opportunité. Donc, euh, pour revenir sur les arguments, nous sommes tout à fait d'accord, le terrain des 7 hectares a été tout indiqué et idéal. Je renvoie à l'article qui a eu, vous renvoyez d'ailleurs à ça, euh, qui a, qu a, qu a paru dans Le Parisien récemment. C'est un phénomène qui n'a pas touché malheureusement que Fleury-Mérogis, mais il a touché Fleury-Mérogis dans des proportions qu'aucune autre commune n'a connues. On estime à 300 000 tonnes... Euh, le tonnage de déchets sur ce terrain, c'est énorme. Ça se dépollue pas euh, en un claquement de doigts, contrairement à ce que certains peuvent faire croire. Et oui, la ville de Fleury-Mérogis a la volonté ferme de faire avancer ce sujet. Et donc, on, on, on mènera des actions pour inciter la justice à aller vite. Mais je ne crois pas savoir que la justice, particulièrement en France, ait la réputation d'aller très vite. Donc, à nous d'accélérer le processus. Mais sur une affaire comme celle-là, où il y a des sociétés écrans, où il va y avoir des enquêtes, des contre-enquêtes, certainement des sociétés avec des dépôts de bilan, des personnes qu'on ne va plus trouver, ça va, ça va nécessairement nécessiter du temps long, même si on va essayer de le raccourcir au maximum. On espère d'ailleurs que beaucoup seront présents avec nous quand nous mènerons ces actions pour mettre un peu la pression sur la justice. Et il faudra ensuite le dépolluer. Et là se pose la question d'abord de qui et de combien tout ça, ce n'est pas des sujets qui se traitent en l'espace de six mois de temps. Euh, C'est des sujets qui s'inscrivent dans le temps long. On a évidemment la ferme volonté de faire de la transparence et la lumière sur ce sujet, dont nous ne sommes pas responsables, mais dont nous récupérons les conséquences aujourd'hui. Et euh, donc voilà, j'espère avoir pu répondre à votre question, euh, enfin sur cette question qui, où plusieurs aspects euh, apparaissaient. Je ne sais pas si dans la salle certains souhaitent compléter ou pas, ou si j'ai été exhaustif pour mes collègues. Non Je l'indique à, à la vidéo aussi pour ceux qui nous regardent, mais la procédure du coup, en justice est évidemment toujours en cours. Si des personnes disposent de pièces X ou Y qui souhaitent nous transmettre même des copies pour conserver l'original. Pour qu'on puisse les verser au dossier et nourrir davantage le dossier, évidemment, elles sont bienvenues. À ce jour, pour l'instant, nous n'avons eu que deux, deux sources euh, de, de, qui sont venues compléter les pièces que nous disposions déjà. Nous avons eu Martine Guassins qui nous a donné un certain nombre de photos et d'éléments. Et Annie Marcet, au titre de la présidente de l'association Village Fleury, qui nous a transmis tout un dossier, enfin une copie. On lui a rendu évidemment. Donc si d'autres personnes veulent nous livrer des informations ou des pièces pour faire accélérer ce sujet, évidemment, ils sont les bienvenus. Alors, on a ensuite une question de Madame Gisèle Lebeau, qui nous dit, lors d'une réunion euh, parents d'élèves de l'école maternelle Paul Langevin, en présence de l'élu euh, en charge des questions euh, du scolaire, il avait été demandé si on pouvait euh, mettre en dur le passage pour accéder aux classes dont l'entrée se trouvait du côté jardin, car avec la pluie et les nombreux passages, plus les poussettes, les gens marchent dans la boue et le revêtement, le revêtement provisoire est très glissant. Voilà, d'avance merci. Bon écoutez, on est en train d'étudier la question en sachant que les deux entrées différenciées, enfin euh, l'entrée et sortie euh, au sein de l'école euh, maternelle sont aussi liées à, au, au Covid et donc à, aux dispositions sanitaires dont nous espérons qu'un jour ou l'autre, elles ne seront pas éternelles et qu'on pourra retrouver un semblant de vie normale. Voilà, donc on est en train d'examiner, de voir de quelle façon euh, on peut rendre ce chemin un peu plus praticable. Euh, je ne peux pas vous répondre immédiatement en vous disant est ce. Va bétonner ce enfin, est-ce qu'on va mettre du, de, du béton sur cette partie ou pas. En tout cas, on a noté que euh, les dalles, euh, le revêtement provisoire est glissant. Ensuite, on a une dernière question de monsieur René Davoine qui nous dit bonsoir à tous et à toutes. Félicitations pour l'énorme travail accompli dans tous les domaines et bonne délibération ce soir. Merci. Quelques questions dont vous jugerez bon ou pas de répondre démocratiquement. Je respecterai votre décision, mais nous allons répondre aux trois questions. Euh, Peut-on obtenir les comptes rendus des réunions de quartier Normalement, elles sont en cours de, ils sont en cours de rédaction. Et seront transmis aux personnes qui s'étaient inscrites par quartier. Donc, si vous avez laissé vos coordonnées pour, vos coordonnées pour le quartier Village Chaqueux, vous devrez normalement accéder au compte-rendu dès qu'il sera fini. Et ainsi de suite pour les personnes des différents quartiers. Donc, n'hésitez pas, je ne parle pas que pour Monsieur Dawan, mais pour les autres, si vous souhaitez disposer de ces comptes-rendus, laissez vos coordonnées. Pour l'instant, sur les derniers comités de quartier, ils ne sont pas encore terminés. Alors, on a une question, quels sont les pompiers qui interviennent au village Alors, je... comme je ne vois pas précisément ce que vous voulez dire, je vais faire trois réponses, euh, trois réponses à cette question. La première, pour moi, en l'état actuel de mes connaissances, et je pense qu'elles sont plutôt bonnes à ce niveau-là, les pompiers qui interviennent sur Fleury-Mérogis, c'est la caserne de pompiers de Viry-Châtillon. Donc pour moi, dès qu'il y a une intervention de pompiers à Fleury, c'est les pompiers de Viry-Châtillon. Par contre, peut-être que vous parlez... Euh, de l'ancien café, d'ailleurs c'est la, la question qui vient ensuite, mais de l'ancien café euh, qui se situe euh, en haut de la rue des Petits Champs, l'ancien café-restaurant du village. Si vous parlez de cet endroit, on a deux types d'interventions différentes. On a l'intervention euh, des pompiers du SDIS, qui se trouve le S10 à Fleury-Mérogis, qui est un centre de formation pour jeunes pompiers. Donc on sait que ça leur arrive d'intervenir dans ce local, parce qu'il est en très mauvais état d'ailleurs. Et on a aussi une intervention de la brigade cynophile. Comme il est en extrêmement mauvais état, avec un plancher complètement défoncé, même troué, ils s'en servent pour cacher, euh, bah, comme entraînement pour leurs chiens, pour cacher des choses dans cet endroit, euh, et pour que les chiens puissent les retrouver. Voilà. Je ne vois pas d'autres intervenants. De ce type en termes de force de l'ordre, de type pompier euh, au sein du village. Donc pour moi, c'est soit les pompiers de Viry, soit le SDIS, soit la brigade sinophile. Ensuite, quel devenir pour l'ancien café-restaurant du village Alors là, franchement, euh, pour l'instant, on n'en est que au stade des hypothèses, et elles sont nombreuses. Euh, aucune décision n'a été prise pour le moment. Il faut savoir qu'en en fonction en plus des hypothèses retenues, euh, la rénovation du café-restaurant a un coût certain, je vous l'ai dit. À part les murs et le toit, le reste est en très très mauvais état. Donc ça va nécessiter, euh, ça nécessite pardon, des financements. Et pour le moment, nous sommes euh, au niveau financement très accaparés par la construction de la nouvelle école, le, le nouveau groupe scolaire maternel élémentaire. Euh, qui va nécessiter euh, une gymnastique financière importante pour les services. Donc je reconnais que pour l'instant, ça ne fait pas l'objet d'une priorité. Il faudrait de toute façon qu'on définisse le projet de, ce, de cet endroit, mais avec les habitants, pas la majorité tout seul. Et une fois qu'on a défini ça, il faut trouver des financements pour que ça ne coûte, euh, j'allais dire, le moins possible, voir euh, si ça pouvait ne rien coûter à la mairie, ce serait encore mieux. En sachant, je mets en perspective que nous avons une école à financer et que ce n'est pas un petit équipement et que la situation des finances locales est loin d'être bonne. Voilà ce que je peux dire. Vous terminez ensuite par, je pense pour ma part que ça suffira pour aujourd'hui, demeure toujours à votre disposition pour un fleuri toujours plus uni. Ne laissons personne sur le bord du chemin. Ce message vous ressemble bien, il est tout à votre honneur. Nous vous remercions pour ce message enthousiasmant pour cette fin d'année, qui n'a pas été simple, et on espère que ce message augure une année... Une année prochaine euh, un, peu, un peu moins compliquée euh, pour l'ensemble euh, bah, des, des citoyens de cette ville, de ce pays et de ce monde, parce que c'est simple, nulle part. Bon, une fois que ces questions sont donc passées euh, sur les réponses que j'ai apportées, aucun des collègues souhaite apporter un complément. Vous pensez que j'ai été à peu près exhaustif sur, euh, sur les réponses. On va donc passer à l'appel. Et après ouvrir le conseil municipal. Donc Olivier Corzani, oui. présent. Roger Perret, présent. Espérance Niari, présent. Rudy Sicharn présent. Alice Fuentes, présent. Yves Guettari, présent. Daniel Moisan, présent. Nordine Medouni, présent. Isabelle Durand, présent. Ghislaine Laruelle, présent. Maria Bernardo, présent. Annie Marcet, présent. Christian Darras, Martine Goissens. Jeannette Otto. Présent. Didier Gaba, Présent. Rudy Gastrin. Présent. Laurent Doiselet. Aline Thiol. Marie-Gisèle Belzine. Absente. Pouvoir. Pouvoir, à, à pouvoir à Monsieur Cicharn. Très bien. Stephen Valderon, Sami Toumi, Isha Mouba, Mamadou Sakho, Sati Tal, euh, pouvoir hein, pouvoir à Daniel Moisan, Mélanie Barbou, Julien Corzani, pouvoir à Olivier Corzani, Madiuma Tandia, Sofia Mejri, Albert Lavenette. Le secrétaire de séance sera Yves Guettari. Alors, je passe donc aux décisions du maire, que vous avez donc sous les yeux. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ces décisions ou pas Dans ces décisions, c'est toujours bon de le, de, le, de le signaler, mais je vous rappelle que nous avons récemment eu le bonheur d'accueillir une balayeuse, un nouvel équipement pour la propreté de notre ville et qui va amener un, un gain en qualité de service public proposé au, au sujet de la propreté sur la ville. Bien. Donc nous passons ensuite. Au procès-verbal du 16 du Conseil municipal pardon du 16 novembre 2020. Bon, est-ce qu'il y a des questions sur ce procès-verbal Je ne pense pas. Je pense qu'il reprend à peu près même euh, plutôt les éléments que nous avions euh, 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 échangés ensemble. Du coup, je vous le soumets à approbation. Qui vote pour ce procès-verbal voilà. Qui vote contre Qui s'abstient Unanimité, merci. Alors, euh, vous avez remis sur table une motion. Euh, vous avez donc une motion qui vous est remise sur table. Euh, je vais vous la lire donc il s'agit euh, alors le titre de la motion c'est l'état doit être au rendez-vous de la solidarité, l'enjeu de cette motion enfin cette motion s'inscrit dans l'appel des 200 maires qui demandaient au gouvernement 1% du plan de relance pour les, les villes et quartiers populaires le plan de relance décidé par le gouvernement est un plan de relance euh, estimé à enfin, communiquer autour de 100 milliards d'euros et donc les 200 signataires réclament 1 milliard d'euros pour flécher pour les quartiers et les, quartiers et les villes populaires. Euh, je vais vous lire la motion. Ce que je peux dire, c'est que tout de même cet appel a été plutôt relayé dans la presse, cet appel des 200 maires, et, euh, et euh, commence à faire écho puisque le gouvernement est en train de réfléchir à a accédé à la demande de 1 milliard d'euros pour les quartiers et les villes populaires, en sachant qu'il pour l'instant il a communiqué en, en, en indiquant sa volonté d'aller dans ce sens-là, euh, mais il ne l'a pas encore inscrit au budget 2021. Donc euh, on va dire que cette motion, vient donc, euh, cette motion vient donc pour apporter plus de force à cet appel et surtout traduire cette... Comment dire, cette intention par des actes concrets euh, en instruisant ce milliard dans le budget euh, 2021. Donc je vais vous la lire. C'est une lettre qui s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, suite à la lettre ouverte que nous avons publiée à l'intention du président de la République, vous nous avez fait l'honneur d'un rendez-vous en visioconférence le 23 novembre dernier. Au nom des 200 maires que nous représentons, nous tenons à vous remercier pour le temps que vous avez bien voulu nous consacrer lors de cet échange qui aura vu se succéder une quinzaine de prises de parole en moins d'une heure. Nous vous avons exposé près d'une cinquantaine de propositions pouvant être immédiatement déployées pour répondre à l'urgence économique sociale et républicaine à laquelle nos villes fragiles sont confrontées depuis plusieurs mois. Nous vous savons gré de votre écoute attentive et de votre empathie. Nous regrettons néanmoins que la réponse de vos ministres ait pris la forme d'un bilan de mandat. Notre démarche s'inscrit dans un processus résolument constructif. Comme vous, nous ne poursuivons d'autre but que celui de défendre les intérêts de notre pays et de nos concitoyens. Au vu de la gravité de la situation actuelle, qui voit la détresse sociale faire le lit du décrochage à la République, nous avons à cœur de défendre un consensus républicain et de porter sans phare les couleurs de la nation tout entière. C'est d'ailleurs dans cet esprit que nous avons articulé notre propos initial autour de deux revendications pivots un renforcement immédiat des moyens financiers par le fléchage de 1% du plan de relance sur les villes et quartiers les plus fragiles. Un changement radical de méthode par la création du Conseil national des solutions. Le sujet du Conseil national des solutions n'a pas semblé retenir votre attention, même si vous en avez trouvé le nom joli. Nous prenons acte de votre position. Par contre, sur la question des moyens, nous avons le sentiment d'avoir été partiellement entendus. En conclusion de notre échange, vous vous êtes en effet engagé à flécher 1% du plan de relance vers nos quartiers et communes. Néanmoins, Monsieur le Premier ministre, nous voulons être sûrs que le train de la relance ne passera pas sans s'arrêter chez nous. Nous vous prions par conséquent de donner une trace écrite à votre parole en inscrivant une ligne budgétaire spécifique ou 1 solidarité dans le plan de relance. Nous réclamons par ailleurs un signal fort et volontaire de votre part dans l'articulation du projet de loi de finances 2021. Vous n'ignorez pas que nos habitants sont les grands perdants de la crise sanitaire, alors même qu'ils ont grandement contribué à l'effort national en période de confinement. Ils sont en droit d'attendre que l'État soit au rendez-vous de la solidarité. À la lumière des annonces récentes concernant l'éducation prioritaire, nous sommes inquiets du sort qui sera réservé à nos territoires. La réforme des REP augure-t-elle un abandon pur et simple de la géographie prioritaire et de la politique de la ville dans ces heures sombres que nous traversons, où le besoin de faire vivre la devise républicaine n'a jamais été aussi fort, nous espérons qu'il n'en est rien. Convaincus que la République sera toujours de notre côté, nous poursuivons la mobilisation engagée le 14 novembre dernier. Nous réunissons aujourd'hui 200 maires représentant près de 10 millions de Français et Françaises. Notre démarche a par ailleurs retenu l'intention et la bienveillance de la présidence du Sénat et de plusieurs députés. Nous sommes bien conscients de porter... Un message douloureux et de faire appel à des arbitrages courageux. Nous voulons pourtant croire que la sortie de crise qui s'annonce sera synonyme d'espoir et de fraternité pour tous nos concitoyens. Comme nous l'avons écrit au président de la République le 14 novembre dernier, faisons ensemble le pari d'une nouvelle confiance dans nos territoires pour faire gagner la République. Impatients de poursuivre le travail engagé avec votre équipe le 23 novembre dernier, nous vous prions, Monsieur le Premier ministre, d'agréer, pardon. L'expression de notre très haute considération. Donc voilà pour la motion proposée. Nous allons devoir faire deux votes. D'abord, voter l'ajout de la motion au Conseil municipal et ensuite voter la motion en elle-même. Donc, mes chers collègues, est-ce que vous êtes pour que nous ajoutions cette motion au Conseil municipal Donc je propose de voter pour. Qui vote pour Merci. Qui vote contre Abstention, unanimité, merci. Et du coup, maintenant, sur. La motion en elle-même, qui vote pour cette motion, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Alors, euh, nous avons maintenant. D'abord, je vous indique que le point numéro 4 est annulé. Donc, pour présentation, c'est une information au Conseil qui ne fera pas l'objet d'un vote, mais j'essaierai pour les personnes qui nous regardent et qui n'ont pas eu accès à ce dossier d'en faire une présentation claire. Mais donc, pour information, nous avons à informer le Conseil municipal du rapport d'activité 2019 de Cœur-Essonne, agglomération. Alors je vais essayer de vous le balayer par item, par, par thème proposé. Alors, donc nous avons la question budgétaire, évidemment. Vous avez, il vous est présenté le budget 2019. Vous avez, il est un peu... Il est défini dans certaines composantes, le budget principal à 586 millions d'euros, le budget d'assainissement qui tourne à 30 millions d'euros, la gestion des parcs d'activités. On entend bien sûr par parc d'activité, par exemple, le lac de la Greffière, 4 500 000 euros, le budget de l'espace Jules Verne, 3 millions d'euros, le budget hôtel d'entreprise à 500 000 euros et le budget de la BA 217 à 24 millions d'euros. Vous avez donc sur l'année 2019 un budget principal qui s'élève à 125 millions de fonctionnement pour 61 millions en investissement. Avec des taux de réalisation de ce budget en fonctionnement à 98% en hors opération de session et en recette de fonctionnement à 103%. Les principales opérations d'investissement pour 2019 concernent la Voirie pour 12,3 millions. 3, les travaux des bâtiments pour environ 3 millions d'euros, la construction de la médiathèque de Sainte-Geneviève-des-Bois, dont les travaux sont en cours pour 2,8 millions, l'éclairage public pour un million, un peu plus d'un million d'euros, les travaux de la liaison Centre-Essonne à 900 000 euros, l'acquisition pour la collecte des déchets, de quand on dit l'acquisition, on parle de colonnes et de containers à pas loin de 900 000 euros, l'acquisition de terrains nus pour 650 000 euros, les réseaux à 400 000 euros et les espaces naturels à 173 millions d'euros. A savoir que les recettes d'investissement proviennent essentiellement de l'emprunt pour pas loin de 17 millions d'euros, des dotations aux amortissements à 8,5 millions et des subventions perçues à 3 ,4 millions, en comptant le FCTVA à 2,6 millions. Vous avez ensuite, donc, sur le rapport d'activité mis en avant l'implantation de l'immobilier d'entreprise. Voilà, nous avons sur la GLO 30 zones d'activité économique avec un taux d'occupation pour la pépinière d'entreprise à 71% et 53 porteurs de projets en 2019 et un taux d'occupation des hôtels d'entreprise à 100%. Concernant le soutien de l'activité économique commerciale et touristique, pour ce qui concerne les chiffres importants, vous avez 71 porteurs de projets et qui ont créé 12 entreprises. Euh, pour 165 entreprises suivies en développement d'activités. Bon, euh, pour ce qui concerne euh, les temps forts euh, de l'activité économique et commerciale et touristique, euh, vous avez. Euh, après, c'était une année 2019 un peu compliquée de fin de mandat. Euh, L'organisation de concours d'idées, la création, et développement d'entreprises, la gestion et l'animation d'un espace de coworking la proposition d'un programme de formation destiné aux villes et des dispositifs divers et variés. Je viens ensuite au soutien et au développement de l'économie durable et solidaire. Euh, bon, nous avons donc 550 participants au village de la consommation durable qui s'est déroulé le 23 novembre 2019, où 4000 livres ont été collectés par l'opération Troc-Livre. Et six ateliers organisés à l'intention des entrepreneurs solidaires qui se sont tenus tout au long de l'année. Euh, concernant euh, les temps forts, euh, l'année 2019 a été consacrée au lancement opérationnel de 14 des actions du plan liées à la stratégie de développement de l'économie circulaire. Vous avez eu le mois de l'économie sociale et solidaire en novembre et l'accompagnement d'un certain nombre d'acteurs du territoire. Je passe ensuite à l'emploi et l'insertion. Sur l'appui au recrutement des entreprises pour la, ce qui concerne euh, l'année 2019, nous, il y a eu 40 recrutements accompagnés sur le territoire, 94 postes proposés, 69 mises en relation de demandeurs emploi-entreprise, 37 postes ont été pourvus de cette façon-là. Plus globalement, euh, vous avez à travers les 21 communes 4220 postes euh, proposés euh, et 762 personnes recrutées en CDI. Euh, voilà ce qu'on peut dire sur l'emploi et l'insertion. Euh. Bon. Très bien, nous passons... Au, à la reconversion de la base, la BA217, euh, qui est un projet... Euh, un projet structurant fort de l'Aglo pour les années passées, donc pour l'année 2019, mais aussi et surtout pour les années futures, avec notamment euh, un projet euh, qui, qui, a, qui a été euh, retenu par le Premier ministre, c'est la sélection par l'État euh, du projet Sésame, qui concerne donc les 21 communes de l'Essonne. Ce projet se décline de, de, sur deux aspects une ferme de 75 hectares en bio même si je sais que certains ont des réserves, mais en tout cas en bio, sur la, la, la BA217, euh, destinée principalement à fournir les cantines scolaires des 21 communes, et, 20 et, et un autre axe qui, qui consiste à définir 21 communes, 21 projets. Et donc l'idée, c'est de travailler à travers euh, ce projet Césame à créer des projets euh, d'agriculture urbaine euh, sur les 21 communes. Euh, chacun ayant euh, des projets spécifiques liés à son territoire. À Fleury, nous n'avons pas encore défini euh, le, euh, ce que pourrait être le projet Sésame sur notre territoire. Ça peut faire l'objet, ça devrait faire l'objet d'un travail. Pour l'instant, on n'a pas encore euh, travaillé ce sujet. Voilà en gros, euh, principalement. Sujet sur la, qui concerne la BA 217. Euh, vous avez aussi eu l'installation euh, euh, de l'entreprise Amazon. Euh, internationalement connu pour euh, son esquive fiscale et sa grande maîtrise des, 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 de sa, de sa non-contribution à la collectivité. Nous avons un sujet aussi écologique lié à Amazon sur cette BA217, puisque ce même Amazon veut y créer un data center de plusieurs hectares. À savoir que l'installation de ce data center, 17 maires sont exprimés. Un conseil d'agglomération euh, contre ce projet, pour différentes raisons. D'abord écologique. Un data center, c'est euh, quasiment. Enfin, le data center tel qu'il est dimensionné, c'est quasiment la consommation électrique en une année d'une ville de 100 000 habitants. Euh, pour un, le seul data center. Ce qui priverait... Ce serait compliqué d'aller expliquer à... Ça va, ça va, C'est compliqué d'expliquer aux habitants qu'il va falloir mettre des ampoules LED pour diminuer sa consommation. De l'autre côté, de proposer un data center qui consomme en une année l'équivalent d'une ville de 100 000 habitants. Raison écologique euh, on parle, certains parlent d'artificialisation des, des sols. Là, on parle de plusieurs hectares d'artificialisation des sols. Ensuite, ça ne crée pas d'emploi on ne peut même pas avoir cet argument-là. Euh, et enfin, il y a quand même un, une question. Euh, d'ordre presque stratégique puisque euh, que fait amazon des, co des données collectées? Euh, évidemment, il n'en fait pas, euh, il en fait pas de l'œuvre caritative. c'est à but commercial et agressif et donc euh, ça, pose, ça pose un sujet. un vrai sujet écologique d'ampleur euh, pour le territoire. Euh, sinon, euh, voilà, nous avons aussi euh, du coup euh, sur euh, ce projet de reconversion de la ba 217, euh, la fabrication de décors, de cinéma. Donc on a tout un, tout un espace culturel sur cette BA 217 à côté de chez nous, euh, où s'est tourné le film L'Empereur de Paris, qui est un film sur Gustave Eiffel. Donc quand vous aurez le plaisir de découvrir le film L'Empereur de Paris et que vous verrez les décors de Paris et de la tour Eiffel, vous penserez à l'Essonne, puisque ça s'est tourné euh, sur la BA 217, euh, derrière chez nous. Euh, voilà, nous avons euh, donc ce site global fait 25 hectares de, et 20 000 mètres carrés de studio pour euh, le tournage de clips et de films euh, divers. Euh, voilà pour ce qui concerne les enjeux et les objets euh, significatifs sur cette euh, BA 217. À ne pas oublier qu'il y a aussi une piste, enfin une deux pistes d'envol qui est transformée aujourd'hui en piste de pratique et de découverte du char à voile. Pareil, à côté de chez nous. Euh, voilà, vous avez aussi euh, un cluster drone, vous avez enfin, des choses assez, assez innovantes sur cette BA 217. Je rappelle tout de même qu'à un moment, il était question d'y construire des milliers de logements sur cet endroit, que tous les promoteurs immobiliers étaient là à se répartir la zone avec, euh, avec euh, déjà leur business plan derrière l'esprit, et que finalement, euh, c'est quand même tout autre chose qui se travaille sur cet, en, sur cet espace. Alors, concernant euh, la transition écologique et énergétique du territoire, nous avons la mise en œuvre euh, du service d'accompagnement pour la rénovation énergétique, dont j'invite les fleuriers cumois à se saisir, l'installation d'un nouveau conseil local de développement, la poursuite de l'élaboration du plan climat et air énergie, l'approbation euh, du schéma des ENR, la mise en œuvre de l'ORT communautaire et le développement des actions de lutte contre la précarité énergétique. Alors pour l'amélioration de l'offre de transport, même si, euh, si je fais un focus sur notre territoire, il nous reste encore du, beaucoup de chemin à parcourir. Euh, la participation financière de Curryson Aglo sur les lignes de bus du territoire s'élève à 1 million d'euros, TTC. Le financement du service Aglobus coûte pour l'année 2019 340 000 euros. Les travaux d'aménagement de la gare RER de Breuillet, 1 million d'euros. Et les travaux d'accessibilité, donc pour les personnes avec un handicap, à hauteur de 130 000 euros. Euh, concernant les perspectives 2020 sur le transport, bon, l'année euh, 2020 est maintenant quand même bien entamée. Euh, nous avons le transfert des réservations à Globus vers la plateforme régionale, la mise en place de deux nouveaux services de transport à la demande sur le sud du territoire, le renfort des offres de bus prévues. Sur les lignes DM151, 153, 91, 04 et DM5. Donc, c'est un coïncidé quand même avec une amélioration, de, une augmentation de la desserte DM5 pour Fleury-Mérogis. La finalisation des travaux de réaménagement pour la gare de Breuillet, La validation du schéma de référence pour les pôles gares que sont Marolles-en-Urpois, Saint-Michel-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois. La validation d'un plan vélo à mettre en œuvre euh, sur un délai de trois ans la préparation de la mise en concurrence du réseau de bus avec Ile-de-France Mobilité et la poursuite de mise en accessibilité d'un certain nombre euh, d'arrêts de bus. Alors sur le développement de notre territoire, euh, que dire de significatif Nous avons 11 ZAC à vocation euh, d'habitat, euh, d'activité économique ou mixte et deux opérations en phase de clôture, alors, sur la gestion du droit des sols et de l'aménagement du territoire, 13 communes sont adhérentes au service instructeur mutualisé par l'Aglo. Fleury-Mérogis n'en fait pas partie, puisqu'elle possède son propre service urbanisme. 700 dossiers ont été instruits l'année passée pour le compte de ces communes, et nous avons eu le 12 décembre 2019 l'approbation du SCOT en conseil communautaire, dont une grosse partie des remarques de l'équipe municipale élue en février 2019 ont été prises en compte et intégrées dans le SCOT qui a immédiatement suivi cette élection. Nous passons ensuite sur l'équilibre social de l'habitat. Alors il faut savoir que évidemment Curesson et, et Fleury-Mérogis n'échappent pas à la règle, fait partie de ces territoires en tension forte en termes de logement, puisqu'il y a beaucoup de demandes. Et euh, pas, assez de, pas assez de logements euh, fournis. Euh, donc là, on est sur une moyenne sur l'agglo de une demande sur 5 qui est satisfaite. Euh, C'est une moyenne. Et on avons sur l'agglo des territoires très ruraux et, plus, et des territoires plutôt urbains. Donc ça n'est ne, ça pas représentatif de ce qu'est Fleury-Mérogis. Nous avons 53% de logements privés du territoire. Euh, qui date de la première réglementation thermique, donc qui nécessiterait une rénovation thermique importante. Euh, nous a, alors, alors, sur les principaux temps forts, le, le programme local de l'habitat 2020-2025 a été finalisé en justement 2019. Ensuite, sur le développement du réseau très haut débit. Alors, là, sujet un peu euh, la, la fameuse fibre. L'aménagement numérique du nord du territoire a été initié à partir de 2013 par l'aglo. Aujourd'hui, plus de 80% des prises sont raccordables. En théorie, avant qu'il y ait le Covid, on devait, devait être couverte à 100% par la fibre. Et je parle des grands opérateurs, pas des opérateurs de type Kiwi, Connect ou autre. Je parle de Bouygues, Free, SFR et Orange. Euh, devait être couverte à 100%. Elle est en cours de. J'ai regardé encore hier. Vous avez sur le site de l'agglomération une carte interactive qui vous montre les possibilités de raccordement. Euh, la ville est en cours et fin de raccordement. Je pense que ce ne sera pas complètement fini d'ici euh, 2020, mais que pour le premier semestre 2021, ça devrait être le cas. En tout cas, on voit des, apparaître euh, sur certains points de cette carte, et beaucoup de points même, euh, des, des opérateurs tels que Orange Bouygues qui n'existaient pas il y a encore un an de ça. Donc le déploiement est en cours, a pris un peu de retard avec la pandémie, mais est en bonne voie pour notre territoire. Alors, sur la cohésion sociale et la solidarité, euh, nous avons 435 jeunes euh, qui ont participé au challenge aglo olympique Voilà. Euh, les furets de ont toutes leurs places là-dedans. Après, je sais qu'ils brilleront s'ils y vont, donc euh, qu'ils y aillent avec grand plaisir. Nous avons 27 projets éducatifs qui ont été accompagnés et 5 formations organisées. Ensuite, sur l'accompagnement des tout-petits et leurs familles, donc on parle de la petite enfance, ce sujet concerne plutôt le sud du territoire, ce qu'on appelle lex arpajonnais le Val d'Orge ayant plutôt dans son histoire, c'est plutôt les, la petite enfance s'étant plutôt développée à travers les villes et dans l'Arpajonais, la petite enfance s'est développée plutôt à travers l'aglo. Donc ça concerne plutôt... Euh, du coup même exclusivement l'arpa mais nous faisons maintenant une seule et même aglo. donc il euh, y a une transformation d'une halte garderie à Breuillet, l'ouverture d'une demi-journée supplémentaire sur l'halte garderie à Marolles en Urepois voilà. développer la prévention et la santé euh, sur les temps forts 2019 nous avons octobre rose euh, et un état des lieux d'offres de santé pour les perspectives 2020 nous avons une veille de l'offre et de l'accès aux soins et poursuite des différentes actions de prévention dans lesquelles Fleury-Mérogis prendra toute sa part. Pour faciliter l'accès au droit, j'attire l'attention des Fleuricumois qui nous écoutent et qui nous entendent si jamais ils ont des difficultés. Vous avez quand même à Villiers-sur-Orge la maison de la justice et du droit qui est mise à votre disposition en tant que cœur essonien. Euh, voilà, euh, pour ce qui concerne euh, les temps forts 2019, une action collective qui a été entreprise avec la Banque de France pour la, dans, la, dans le cadre de la semaine de lutte contre l'illettrisme. Vous avez les ateliers numériques pour naviguer sur Internet euh, et 15 000 personnes ont été accueillies à la Maison euh, de la Justice et du Droit. Concernant la collecte des déchets ménagers, au-delà de l'appel récurrent que nous pouvons formuler au civisme, et à ne pas jeter ses déchets par la fenêtre, ça paraît, ça paraît simple en le disant, mais ça ne l'est pas toujours. 48 000 tonnes de déchets ont été collectées l'année passée par euh, Cœur Agglomération et 11 500 tonnes de déchets recyclables hors verre. Nous avons obtenu, et là c'est un petit euh, cocorico, mais nous avons obtenu euh, l'année passée euh, une expérience qui s'est déroulée sur deux seules rues sur Cœur et son agglomération, c'est l'expérience des euh, containers à pédales, dont une des deux rues concerne Fleury-Mérogis et la rue Rosa Parks. Nous avons aussi collecté 12 157 tonnes de déchets végétaux et 2400 tonnes d'encombrants. A savoir que pour l'année passée, pour les services de la ville, euh, les services de la ville ont collecté à eux seuls 1000 tonnes de déchets. Vous imaginez l'ampleur du, du sujet. Alors, concernant les nouveaux équipements et l'entretien du patrimoine, vous avez la réhabilitation de l'orangerie à Morçant-sur-Orge pour 90 000 euros, la création d'une aire de lavage du Centre technique communautaire à Saint-Michel pour 43 000 euros, la construction de la gare routière Valver-Croix-Blanche, dont la consultation a été résiliée et qui sera relancée. La construction d'une dalle euh, du bâtiment modulaire sur la BA217 pour 670 000 euros. La, les, la mise en accessibilité de divers bâtiments pour un montant de 120 000 euros. Euh, bon après, vous avez euh, des travaux euh, de marché, entretien, ascenseur et fourniture d'achat d'électricité. La poursuite des études et de maîtrise d'œuvre relatives à la réhabilitation complète de la piscine à Bretigny pour 4,9 millions. L'étude de faisabilité de réhabilitation du gymnase Allé. Euh, qui a été réalisé pour un premier montant. Cette étude porte sur deux scénarios, un premier à 2,5 millions, un deuxième à 3,5 millions, le bassin de l'espace nautique de Sainte-Geneviève-des-Bois pour 30 000 euros et divers travaux à 150 000 euros. Pour la culture, vous avez la poursuite des travaux de la médiathèque à Sainte-Geneviève-des-Bois pour 8,3 millions, l'installation de la vidéosurveillance à l'espace Jules Verne de Bre à Bretigny-sur-Orge et de la médiathèque Louis-Aragon à Morsan pour 60 000 euros, les travaux de remplacement des installations thermiques de théâtre de l'Arlequin à Morsan, 86 000 euros, divers travaux d'amélioration pour 130 000 euros, et l'étude de faisabilité de la création de la médiathèque qui porte sur un coût d'opération à 5 millions d'euros. Ensuite, pour le réaménagement de la voirie, il va falloir que je bois après. Alors, euh, à Arpajon, nous avons des travaux en coeur de, pour le cœur de ville à 600 000 euros, à Invraville, le, le réaménagement de trottoirs sur la rue Beauvoisière. Et la réflexion de trottoirs. Le tout pour un peu plus de 100 000 euros. Euh, vous avez euh, différentes réfections de rues, de boulevards et de à Bretigny-sur-Orge, euh, à Breuil, Bretigny, Cheptainville, Eglis. à, à Fleury-Mérogis, l'aménagement de la rue Roger Clavier pour 282 000 euros. Malheureusement, il en manque une partie. Et création d'une traversée piétonne sur la RD 445 pour 115 000 euros. On l'oublie. Elle s'est bien intégrée dans le paysage et on considère qu'elle a toujours existé. Mais rappelez-vous que cette traversée était avant non piétonne et plutôt dangereuse. Nous avons ensuite les villes évidemment de Guibville, Leville, Lompont, Marolles-en-Urepoix, morsan sur orge Lanorville, Aulainville, plessis sainte geneviève Sainte-Geneviève-des-Bois, les arpajons saint Saint-Michel-sur-Orge, sur orge Villiers et zones d'activité qui ont toutes bénéficié d'aménagements de rues diverses et variées. Pour ce qui concerne la performance du service eau potable, alors vous avez l'extension de la rue régie publique de l'eau à 20 villes de, de, de Laglo. 9 points de raccordement au réseau du SIARS qui sont en cours d'étude pour la perspective 2020. Euh, L'AGLO compte aujourd'hui 48 911 abonnés, 217 branchements créés, 20 700 appels téléphoniques reçus à la régie de l'eau et 4 500 personnes accueillies. À savoir qu'il y a encore un gros travail de au niveau de la facturation à effectuer qui n'est pas encore complètement euh, assis et régularisé. Euh, le réseau d'assainissement euh, est en cours de réfection. Nous avons un certain nombre de travaux euh, qui, qui, sont, qui sont prévus. La ville de Fleury-Mérogis est en cours à l'étude aujourd'hui. Je ne m'étendrai pas plus que ça. Renforcer le système de défense incendie, euh, du coup, il a été renforcé avec 12, 9, euh, 19 nouveaux hydratants qui ont été installés. Concernant l'éclairage public, vous avez eu des rénovations d'éclairage à Arpajon, Breuillet, Lompon, Saint-Michel, Bruyère, Le Châtel, Marolle, en Saint-Germain, Sainte-Geneviève, Filliers-sur-Orge. L'éclairage à, euh, à Fleury-Mérogis étant évidemment d'excellente qualité. Euh, voilà. Sur la préservation des espaces naturels, alors concernant l'aglo, le bilan 2019 fait état de la propreté des voiries dans les zones d'activité économique pour 120 000 euros, le retrait de dépôts sauvages pour 10 000 euros, l'entretien des sites à 300 000 euros, l'entretien des espaces verts des zones d'activité économique à 116 000 et divers équipements et entretien d'air de jeu pour environ 23 000 euros. Euh L'agglomération assure l'entretien courant des espaces verts de 151 sites, pardon, dont 8 parcs, 19 sites communautaires et 22 zones d'activité. Euh, dans le parc de la Greffière, pour ce qui concerne fleury nous avons bénéficié de quatre ensembles tables bancs, pique nique dont un accessible aux personnes à, à mobilité réduite, et cinq chaises, chaises longues, dont j'ai pu, enfin, pu observer que certains les avaient appréciées au cours de l'été, et ça nous a fait du bien. Ensuite, nous avons, euh, concernant la pratique sportive, euh, la Val euh, la traditionnelle Val d'Orgienne, le Fahrenheit, euh, qui concerne la Coupe du Monde de skate. Ensuite, les animations dans les piscines et l'accueil euh, des agglos olympiques. Voilà. Euh, nous avons ensuite, sur l'offre culturelle diverse et variée, les espaces Marcel Carnet, le théâtre de l'Arlequin, Marcel Carnet à Saint-Michel-sur-Orge, le théâtre de l'Arlequin, euh, pour Marcel Carnet, c'est 25 représentations de spectacles et 315 films à l'année pour 72 000 euh, spectateurs. Voilà, nous avons ensuite le théâtre de Bretigny. Développer l'accès à la culture dans les médiathèques, 14 médiathèques communautaires, 8 médiathèques municipales pour 40 000 adhérents et 550 000 documents euh, à disposition. Euh, nous avons 830 000 prêts dans les médiathèques communautaires, 1000 classes accueillies. Et 900 animations organisées. Alors, sur l'enseignement artistique, qui est évidemment un enseignement proposé de qualité, nous avons Divertimento, qui est venu sur l'aglo. C'est quelque chose qui devrait nous inspirer. Masterclass, le concert des professeurs et concert 3 pour 2, la première édition du printemps du Conservatoire, le musée en folie et autres activités. Euh, que dire sur les chiffres clés concernant les services juridiques Donc, 157 consultations juridiques traitées, 51 contentions en cours, 106 dossiers d'assurance suivis. Voilà, je pense avoir fait globalement le tour de tous ces chiffres. C'était donc, mes chers collègues, une information au Conseil qui ne nécessitera pas de vote. Je suis sûr que c'était un grand moment de plaisir pour vous tous. Excuse, je reprends un peu mon souffle et un peu ma salive. Pardon, on poursuit l'ordre du jour après ce rapport d'activité. Donc nous avons... Le point pour autoriser, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement. En gros, il s'agit d'une délibération qui doit nous permettre avant le vote du budget, puisqu'il ne sera pas voté en janvier prochain. Et donc, il faut quand même qu'on puisse expédier et financer les affaires courantes. Donc, l'idée, c'est d'autoriser le maire à engager les dépenses et de mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, et évidemment non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. En gros, il nous est, propos, il nous est proposé d'autoriser euh, l'exécutif à liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite, comme je le disais, du quart des crédits ouverts au budget 2020, sur les chapitres 20 à hauteur de 5 000 euros, et le chapitre 21 à hauteur de euh, pas loin de 877 000 euros. Il s'agit simplement euh, d'assurer les affaires comptes. Je ne pense pas qu'il y ait de remarques. Qui vote pour, qu'on puisse payer les salaires des agents. <laughs> unanimité. Qui vote, qui s'abstient, qui vote contre, unanimité, merci. Ouais. Alors, la délibération suivante concerne la fixation des prix des loyers pour les logements communaux et vous sera rapportée par Daniel Moisan. Bonsoir. Alors. Et vous savez qu'à Fleury-Mérogis, il existe deux groupes scolaires primaires, Langevin et Curie, et il y a à tenant des logements de fonction qui étaient principalement destinés auparavant à des instituteurs d'école. Aujourd'hui, il n'y a plus de, pratiquement plus d'instituteurs, mais des professeurs d'école, donc ces logements, les instituteurs sont partis, et ces logements ont été réattribués différemment. Donc il y en a cinq de chaque côté. Il y a des logements qui sont pour donner. Enfin, qui sont euh, comment, pour des astreintes, euh, des astreintes sur la ville, logements pour des associations humanitaires et euh, des logements pour des... des, comment, des je dirais des logements d'urgence des logements et un logement euh, qui est toujours utilisé aujourd'hui par, par une enseignante. Ces logements n'ont pas été réactualisés depuis 2019 malgré une délibération du 25 octobre 2000 qui adoptait un principe d'augmentation de 8% des loyers et ce, de 2011 à 2013, mais qui n'a pas été mise en application. J'en suis un peu désolée. Donc on a regardé un petit peu les... Alors, deux personnes payent quand même aujourd'hui. De, loge enfin, des, des, de logements de type T3 pour 278 euros, ils n'ont donc jamais été réactualisés depuis X temps. Donc il y a lieu aujourd'hui de réactualiser tous ces logements. Le, on a donc fait faire une étude pour regarder un petit peu ce qui se pratiquait par les bailleurs, par les différents bailleurs sur la ville, et euh, on se rend compte que la moyenne, la moyenne, au niveau du coût pour un T1 aujourd'hui à Floride, de 400 euros, pour un T2 440, pour un T3 650. Pour un T4, 750 et pour un T5, 950 euros. Donc, nous proposons deux choses. D'actualiser de, euh, les loyers actuels pour un T1 de 200 euros. Donc, de 400, on le met à 200. Un T2 de 440 de moyenne, on le mettra à 300. Un T3 de 650, on le mettra à 450, en sachant qu'aujourd'hui, c'est 278 pour deux personnes. Un T4, de, un T4 pardon, de 750 à 600 euros et un T5 de 950 à 700 euros. En sachant qu'il y a toujours aujourd'hui une, une enseignante qui est professeure des écoles et qui ne paye aucun loyer depuis plusieurs années. Elle est professeure des écoles depuis plusieurs années et elle ne paye aucun loyer. Donc il est prévu, de, à compter du 1er janvier, en réactualisant tous ces, tous ces tarifs, de, la, de lui faire payer un loyer. Voilà, en fonction du logement qu'elle a. Je crois qu'elle a un homme, je sais plus, un T3 ou un T4. <laughs> voilà. Donc, euh, je vais la recevoir prochainement pour lui annoncer qu'elle doit à partir de janvier payer un loyer. Voilà. Donc, je propose au Conseil municipal d'adopter ce que je vous ai dit un T1 à 200 euros, un T2 à 300, un T3 à 450, un T4 à 600 et un T5 à 700 euros. Bon, si vous êtes d'accord, je vous demande bon, de. très <laughs> bien. C'est bon pour vous, madame moison Oui. <laughs> pas de questions, pas de remarques sur cette... Ah, vas-y, Martine Goissens Micro, s'il te plaît. Micro, Martine. S'il n'y a pas... Euh, si les, les cinq pièces sont pas disponibles... Pourquoi on vote un prix bah Parce que si dans l'avenir il y en avait qui se construisaient, ah, c'est pour ça. D'accord. Voilà. No problèmes. Ça, voilà, ça nous permet de disposer. Enfin, on aura les prix, les tarifs, quoi, hein, si jamais il y en a un qui vient. Ouais, Didier Gaba. Vas-y, ton micro. Une, une question. Euh, pour, celle, pour la prof à qui vous allez signifier le nouveau loyer, c'est avec effet rétroactif ou pas Non Je ne sais pas. Non, on ne va pas lui faire l'effet rétroactif, mais bon. On ne va pas lui faire. C'est bon euh, pour tout le monde? Bon bah écoutez, je propose donc cette délibération au vote. Qui vote pour les loyers qui s'y sont proposés? Merci, qui euh, s'abstient, qui vote contre, unanimité. Merci. Nous passons, donc la... Nous passons à la délibération suivante. Alors... Alors, adhésion au groupement de commandes proposé par Cœur pour l'acquisition et la mise en œuvre d'un guichet numérique des autorisations d'urbanisme, dit plus euh, de façon réduite le GNO. Donc, il s'agit en gros, non pas évidemment de mutualiser le service urbanisme avec l'agglo, mais de s'inscrire dans, dans un groupement de commandes pour pouvoir bénéficier d'un logiciel, puisqu'en achetant à plusieurs euh, par le biais de l'agglo, on obtient des tarifs euh, beaucoup moins élevés que si nous achetions tout seuls. Si euh, nous intégrons ce groupement de commandes, ce que nous nous apprêtons à faire, l'achat du logiciel serait de. 8500 euros TTC, et pour une maintenance de 1800 euros. Si nous n'intégrons pas ce groupement de commandes, mais que nous achetons quand même ce logiciel, ce qui paraît être... Euh, si on n'intègre pas le groupement de commandes, il faudrait tout de même acheter le logiciel, le logiciel. il nous coûterait 40 000 euros pour une maintenance annuelle de 3000 euros. Donc on a quand même tout intérêt à intégrer ce groupement de commandes, voilà pour ce qui concerne l'enjeu principal de cette délibération. Bon, elle, est, elle, est, elle est plutôt technique, mais c'est pour faciliter la gestion du service urbanisme. Voilà, puis c'est d'autant plus que c'est un, un logiciel obligatoire. Euh, je ne vois pas de remarques. Donc qui vote pour que nous adhérions à ce groupement de commandes Merci. Qui s'abstient Qui vote contre Unanimité. Merci. Alors, nous avons des voiries que nous allons intégrer au domaine public communal et cette délibération va nous être présentée par Roger Perret. Il y a un peu de problème technique, et vous m'excuser. Comme chaque année, la préfecture nous demande la longueur des voiries classées dans le, dans le domaine public communal pour le, pour le calcul global de la dotation de fonctionnement, ce qu'on appelle la DGF. La rue Adrienne-Bolland a été finalisée fin 2019. Elle est ouverte à la circulation. Cette nouvelle voie doit être rajoutée pour la mise à jour du recensement de la longueur de la est classée dans le domaine public communal pour la dotation des GF. Et donc, le projet de délibération, c'est de dire que le, de classer dans le domaine public communal la voie nouvelle rue adrienne bolland ouverte à la circulation depuis le 1er janvier, qui sera ouverte à la circulation au 1er janvier 2021 et qui mesure 451 mètres, 415 mètres. De dire que la longueur de la voirie communale passe de 16 km 120 à 16 km 535 à partir du 1er janvier 2021. Merci. Voilà. Merci. C'est une délibération technique, mais qui est nécessaire. Bon, il n y a pas, je ne pense pas qu'il y ait de grosses remarques sur ça. Donc, qui vote pour intégrer cette rue Adrienne Bolland Merci. Qui s'abstient Qui nous vote nous contre Unanimité. Merci. Alors, nous passons à l'adhésion euh, à la centrale d'achat euh, Cipenco. Euh, donc, là, le, en gros, le, cette centrale d'achat, c'est un acheteur qui, euh, qui acquiert, euh, sur de, de, qui, dépend, qui dépend du Siperec du pardon. Euh, et qui euh, est spécialisé dans l'achat de matériel de téléphonie fixe et mobile, de réseau Internet et d'infrastructures. Donc concernant, euh, on propose d'adhérer à cette euh, centrale d'achat liée au SIPREC pour euh, bénéficier de tarifs euh, concernant la téléphonie fixe et les réseaux, un, les structures de réseau Internet. C'est un peu le même principe que ce qu'on a voté précédemment pour. Euh, le logiciel urbanisme. C'est en gros l'idée d'être plusieurs à commander pour, pour disposer de prix de tarifs plus faibles. Voilà. Je pense, je ne vois pas de questions là-dessus. Du coup, euh, bah, qui vote pour Qui s'abstient Qui vote contre Unanimité, merci. Nous avons ensuite la prolongation du contrat enfance-jeunesse. Qui va nous être présenté par Tiffaine Valderon. Bonsoir. La, con, la Convention territoriale globale visant à renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants devait prendre le relais à partir du 1er janvier 2021 du contrat enfance jeunesse Contrat d'objectif et de confi, confinancement passé entre la CAF et la ville pour une période de 4 ans. Donc, sachant avec la crise sanitaire que ce n'est pas possible de refaire, comment dire, de repasser pendant 4 ans, il a été proposé de prolonger le CEJ d'un an. Celle-ci doit être signée en fin d'année 2020 afin de continuer d'obtenir les financements et les subventions de la CAF. Considérant la nécessité de renouveler le contrat enfant-jeunesse pour une période de un an afin de continuer d'obtenir les financements et les subventions de la CAF de la nouvelle Convention globale territoriale, il est proposé au Conseil municipal d'adopter la prolongation d'un an du contrat enfant-jeunesse 2016-2019 pour la période 2020-2021. Merci. Il s'agit donc simplement d'une prolongation pour continuer de bénéficier de ces financements, une prolongation d'un an avant de refaire un nouveau contrat enfant-jeunesse. Donc ça nous laisse l'année pour le travailler, justement. Voilà. Euh, écoutez, euh, qui vote pour Qui s'abstient Unanimité, merci. Alors, à Fleury, eh bien, on prend soin de nos enfants, puisque nous avons maintenant une proposition de délibération qui concerne une collaboration. Entre les médecins du cabinet des gens marins et la ville de fleury concernant la petite enfance. Délibération qui nous est présentée par mmh. Tiffaine Valderon. Les établissements et, les, les établissements et services disposant d'une capacité d'accueil supérieure à 10 places s'assurent du concours régulier d'un médecin spécialiste ou qualité en pédiatrie, ou à défaut de celui d'un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie dénommé médecin de l'établissement ou du service pour garantir le bon développement des enfants et veiller à leur santé. La présente convention va permettre de s'assurer du concours des médecins généralistes du cabinet des gens marins au sein des structures petite enfance de la ville. Sur le multi-accueil brun d'éveil, la crèche collectif Janus-Corsac, la crèche familiale et le multi-accueil Émy-Picleur. Considérant la nécessité d'adopter la nouvelle convention pour améliorer la prise en charge des enfants au sein des structures petite enfance, il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la présente convention et dire qu'elle s'appliquera dès la signature de la dite convention et à compter de novembre 2020. Merci. D'abord euh, bah, on prend soin de nos enfants et ensuite on le fait avec les acteurs du territoire. Donc c'est quand même... Quelque chose qui, je trouve, est pertinent plutôt que d'aller des fois chercher loin ce qu'on a ici. Là, on travaille avec les médecins, du euh, cabinet des gens marins, pour, euh, pour travailler euh, en lien avec la petite enfance locale. Donc c'est une très bonne chose. Les premiers contacts et les premiers échanges entre ces médecins et la petite enfance sont d'ailleurs euh, se sont très bien passés. Bon bah écoutez, qui vote pour cette convention, qui s'abstient. Et qui vote contre Unanimité, merci. Nous avons ensuite la réactualisation du règlement de fonctionnement des structures petite enfance de la ville qui nous est présentée par Tiffen Valderon. Depuis leur ouverture, un règlement de fonctionnement établit les règles d'organisation dans chaque structure petite enfance municipale. Il précise... Les fonctions et les responsabilités de chacun. C'est un élément contractuel entre la famille et l'établissement et validé par la CAF du département. Suite à la convention passée avec les médecins du cabinet des gens marins, la réactualisation du règlement des fonctionnements concerne essentiellement le chapitre 8, maladies et modalités de délivrance des soins spécifiques. La prise des médicaments. Aucun médicament ne sera administré à l'enfant sauf dans le cadre du protocole d'urgence établi par le médecin, PAI. Seul le paracétamol pourra être donné si l'enfant présente une température égale ou supérieure à 38,5°C. Les protocoles médicaux. Ils sont établis pour faire face aux principales urgences, fièvre, chute, plaie, bénigne. Ils sont validés par les médecins du cabinet des gens marins et mis en œuvre par la responsable. Considérant la nécessité d'adopter le nouveau règlement et fonctionnement conforme aux exigences d'accueil des enfants et des mères, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la, les présents règlements de fonctionnement, dire que les changements s'appliqueront à compter de 2021. Merci. Donc là, c'est un changement du règlement intérieur des structures petites en concernant la prise de médicaments. Et les PAI pour les enfants. Simplement. Bon, qui vote pour euh, cette délibération Qui s'abstient Qui vote contre Unanimité, merci. Et nous avons une dernière euh, délibération qui, on en a déjà parlé précédemment, mais euh, qui donc euh, concerne l'adhésion de la ville à l'Association française des communes, départements, et Région pour la paix, dit plus couramment Association des maires pour la paix. C'est une association qui, je l'avais déjà expliqué, mais je le réexplique, a euh, été fondée euh, suite à la Seconde Guerre mondiale, euh, dans un esprit de, 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 constru, de construction de, la, de paix entre, entre les différents peuples, dont, euh, Hiro, dont, le maire, dont la ville d'Hiroshima et son maire sont. Euh, son président à vie, euh, et c'était aussi en réaction avec euh, notamment l'arme atomique qui venait d'exploser à l'époque et qui euh, faisait et fait toujours courir sur le monde un, un danger simplement d'extinction. Même si on en parle un peu moins, quand on observe aujourd'hui l'intensification le, le, des conflits, le, le, la montée de la violence partout et dans toutes ses formes, que ce soit la violence du quotidien, que ce soit la violence... Euh, même entre les différents peuples, et la guerre récente entre l'Azerbaïdjan sous couvert de la Turquie et l'Arménie, nous, nous, nous peut tendre à nous inquiéter. Donc voilà, nous intégrons avec cette délibération le réseau des maires pour la paix, l'idée étant de, 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 cultiver, de cultiver la paix et de, de, de comment dire, se nourrir de ce réseau pour nous permettre d'avancer et de faire avancer cette idée. Bon, très bien, je l'avais déjà présenté une fois précédente, on en avait déjà parlé. Là, il est donc précisé le montant de la cotisation annuelle pour notre strate de commune qui s'élève à 963 euros. Bien, je propose de voter cette délibération. Qui vote pour qui s'abstient Qui vote contre Unanimité, merci. Je ne sais pas s'il y a une question diverse. Martine, je t'en prie. Alors moi, je voulais intervenir sur l'article du Parisien euh, samedi dernier, euh, où le directeur des services et le chef de la police de la ville, euh, Vaujour, dans le Seine-Saint-Denis, ont été arrêtés pour trafic de terres polluées. Ça me répa... euh, entre 2018 et 2020, ça m'a rappelé exactement les problèmes du 7 hectares à Fleury-Mérogis. En lisant l'article, on a vu exactement la même façon de faire, c'est-à-dire c'est la même société, la société Terrasol, et ces mafieux qui déversaient les, les terres polluées sur les terrains était quand même euh, touché 30 euros le mètre cube, à raison de 100 camions par jour, il se faisait quand même 60 000 euros par jour. Eh bien moi, je me pose la question, enfin je en suis même sûre qu'on a le même problème, puisqu'en plus on a parlé de Fleury-Mérogis dans cet article-là, puisqu'on avait la même société. Donc euh, je me réjouis quand même que ça sorte, ces choses-là, et euh, je m'inquiète euh, pour. Enfin, euh, je ne m'inquiète pas. J'espère qu'il y en a qui vont peut-être mal dormir, qui ont été responsables de tout ce trafic sur notre terrain des 7 hectares. Et donc, affaire à suivre. Tout à fait, merci. Euh, J'ajoute que du coup, cet article, même s'il apportera rien de significatif à l'affaire, mais est versé aussi au dossier euh, actuellement en justice. Euh, par la ville de Fleury. Et je le, re, je le redis, si d'autres pièces peuvent être, doivent être versées, si certains disposent de, de, de pièces que nous n'aurions pas, évidemment, elles sont les bienvenues. Bien, bah, mes chers collègues, nous allons lever la séance. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, également au public, et surtout euh, n'oubliez pas de prendre bien soin de vous. Et comme c'est le dernier conseil municipal avant la fin d'année. Bonne fête à tous et à tous. Je rappelle, pour information, que la ville de Fleury est mobilisée sur cette période des fêtes pour proposer aux habitants un Noël solidaire avec la fourniture de 500 paniers de fruits et légumes améliorés pour les, dans la limite de 500 inscrits. Donc, il reste encore des paniers, à, il reste des places et des possibilités à, de paniers à fournir. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et c'est aussi une collecte de jouets pour permettre aux personnes qui n'en auraient pas forcément la possibilité d'offrir des jouets de qualité à leurs enfants. Voilà, donc bonne fête à tous, prenez soin de vous et puis à très bientôt.